Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 4 novembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du Pays de Bray, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. C'est une nouvelle fois avec un handicap divisé de première épreuve que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré, des compétiteurs bien connus de nos services se regarderont dans le blanc des yeux. Une fois encore, avant coup, nous avons des certitudes, mais ces dernières pourraient être malmenées sur la piste. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Ennemi. Ce pensionnaire de Francis-Henri Graffard participe pour la première fois à une épreuve handicap à l'âge de 4 ans. Piloté pour la circonstance par Christophe Soumillon, s'il se fait ramener sur un plateau, il va assurément terminer très vite. En deuxième choix, le numéro 3, Chasselet. Cet élève de Sylvain Dehaize sera assurément la base Quintet Plus de beaucoup de parieurs. Avec l'as à la corde, ses œillères pleines, son parcours et Maxime Guyon aux commandes, c'est assurément une bonne base de jeu. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Dragonnet. Modèle de régularité tournant autour du pot depuis un bon moment, cet élève de Charles Rossi peut compter sur l'aide de Yoritz Mendizabal et ses 53 kilos pour jouer la victoire finale. En quatrième position viendra le numéro 4, Kotchenko. Didier et Pauline Prodhomme l'aiment beaucoup et pensent que s'il répète ses deux dernières tentatives, il devrait terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Zealandia. Stéphanie Nigueul l'aime bien et pense qu'avec des œillères pleines pour la première fois, il n'est pas incapable de trouver son jour dans les quintets. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Roberto Mount. Rodolphe Collet l'a toujours estimé et il ne faut assurément pas le condamner sur ses deux derniers résultats bruts qui ne reflètent aucunement sa réelle valeur. En avant-dernier choix, le numéro 1, Sky Power. Stéphane Pasquier pense que ce fils de Stormy River peut s'imposer ici même avec la lourde charge de 61 kg. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, El Magnifico. Associé à Christiane Demureau et présenté par un certain David Smaga, il devra encore jouer un bon rôle ici. En cas de non-partant, le numéro 5, Ficelle du Houlet, qui a remontré le bout de son nez dernièrement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono s'illustre encore en indiquant tierce écarté Quintet Plus dans le désordre, le quarté faisant tout de même 140,27 €, tandis que le Quintet Plus affiche un rapport de plus de 568 €. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.